C'est vrai que ça j'avais oublié dans. C'est plus apparent dans la version finale, c'est les effigies à partir de des membres des. Enfin des membres, des restes des ennemis bien découpés et dépecés. De les mettre en totem et d'y foutre le feu, ça fait flipper grave les sauvageons là, les primates. Oh putain j'avais raté. Ah j'avais explosé mon. Ah non je me disais. D'accord, elles viennent de réapparaître comme par magie. Culture instantanée. Pop! J'ai de la viande de sanglier. Ouais, je m'en mange un morceau. Il s'est barré où le Varan? Ouah. Ah! Putain, lui. C'est que j'ai même pas. Je l'ai même pas vu. Alors qu'il me faisait face. Mais j'ai pas l'œil, hein. Je suis pas de. Là, il est dans la souche. Oh, je l'ai eu! Oh, la portée du sabre japonais, je dis oui! C'est ça qui est bon. Oh, ça me fera de la bouffe en plus. Manger. Non. Ah oui. Ça y est, je commence à confondre l'interface, rien ne va plus. Oh merde. Ah, merci. Alors, ah mais c'est bientôt le crépuscule. Est-ce que je tente d'aller dans une grotte? Et là, une grotte à Pétaouchnok. Ouais, mais il faudrait que j'aille vite là parce que. Allez, je suis fou. Ah ouais, j'ai vraiment envie de me faire une grotte là. Ah, la folie de la spéléologie. Ah. D'ailleurs, je vais y aller en musique. Ouais, avec le katana en main pour plus de sécurité. Patata, j'en règle. Là, c'est le cratère. C'est très petite grotte au bout du cratère. Magnifique cette île. Je le rappelle, c'est une île canadienne. Ah bah y'a du monde. Bonjour, c'est pas vous que je viens voir. Allez vous faire voir, je me casse. Je l'aurais mis avant. Trop bien. Oui, un petit éclairage quand même, merci. Ça descend trop.
là pour le coup c'est intéressant. Là l'épisode commence très bien. J'espère qu'il va se terminer aussi bien qu'il commence. C'est là où je parle d'un grand malheur, je vais faire je mourir pour la première fois. Donc je suis encore jamais mort, je me rappelle. C'est la classe. C'est la clé. Je sais plus si je peux péter les cages dans des bateaux. Est-ce que j'ai un comité d'accueil en bas? Apparemment. Ça va peut-être le coup d'ailleurs que je balance une fusée éclairante. Enfin, que je le fasse quand il y a des ennemis que je puisse localiser. Attends. Ah, enfin, que je lance la musique. Non, on aurait une cavité. Mais... Oh, il y a quelque chose qui m'attend en bas. Je sais pas si c'est encore un truc de descente. On dirait presque une table. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Papa. Tu l'es. Musique. Je l'aurais pas vu. Trop stylé. On réchauffe un peu. Ouais, c'est bien. Ça. Ah, c'est profond, profond. Attends. D'accord, c'est un truc de plongée. Attends, je vais pas prendre de risque. Ah bah, il s'est activé ce coup. Ah oui, je suis équipé. Bon bah, j'y vais. Je crois qu'il s'est équipé automatiquement. Je crois. Bah, je peux pas le prendre. What the fuck? Je sais pas s'il va y avoir une bébête, mais là c'est comme ça et tout. Ah bah je peux sauvegarder ici. Intéressant. Très intéressant. Ah oui je suis trouvé là, pour le coup. Et bah je veux bien sauvegarder. Tiens je vais faire emplacement 2, ça va changer. Jamais si ça tourne mal.
Chicha tout le monde. Ah oui, attends, et au sommet, il me faut la musique. Il faut que je mette la lumière. Laissez-moi vous mettre en lumière. Merde, putain, je suis désolé. C'est mieux, katana please. Ah, il faut passer par là. Mais attends, je ressors de... Ah, je suis un étage intermédiaire du... Ah putain, c'est bon ça. Katana et oh, faut pas que je... J'ai enlevé le hostile, je suis désarmé. Ah, c'est la suite. D'accord. Putain, les bâtons, c'est cadeau. Ah oui, c'est complètement cadeau. Il y a un souci. Les os, à part faire un siège et... En fait, la partie là, elle est gentillette. Mais c'est la suite qui va faire mal. Oh. C'est parti, mon kiki. On s'enfonce au cœur de l'horreur. Ayez peur. Oula, ayez surtout le bug de rafraîchissement. Là, j'ai un mur invisible. Ça, c'est une mauvaise modélisation. Je suis obligé de faire un saut. C'est complètement débile. Katana! C'est pas avec un lecteur de cassette que je pourrais me défendre. Oui, putain, il y a une marche qui est pas vue. C'est comme ça qu'on se casse la gueule hein, quand on est sénile. Ouh là là, il y a du monde là-bas. Ça se gâte. Là, manqué, là, manqué. Ah. Alors, t'es où? Ah, si t'es tout seul, excuse-moi, mais je vais te planter où là? Oh, je peux être chier. Genre, je peux te planter au tir à l'arc. Là, manqué, là, manqué. Bah, ce coup-là, je le vois pas. Merde, je regrette mon choix. Je sais pas où il est. Ouh,
toi, il est là. Ouh, les cochonneries. Il va te planter. Salopio. Ouais, là, normalement, on peut rien. Alors, c'est qui lui? Merde, j'ai pas eu le temps de voir. C'était peut-être Roger. Oulala. Oulala, ça déconne zéro en bas. Hop, 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 hop. C'est lui presque qui tient la fusée éclairante. Bon drôle. Oui, alors ce qui est intéressant maintenant, c'est d'éclairer l'intérieur de la salle. Ça, c'est intéressant.
Ah oui, il y a un objet. C'est quoi? Ok, tronçonneuse à 600$. Alors j'ai les bidons pour l'alimenter, mais j'ai pas la tronçonneuse. Comique. Oui, le piolet! Je dis oui au piolet, oui! Comment ça marche le piolet? Ah, faut que je l'aie en bas. Attends, je vais aller là-bas. Ah, oh, c'est génial d'avoir trouvé le piolet! Ah, nous, des joueurs de l'escalade. Qu'est-ce que je fais? Non, je peux pas me remettre. Non, je suis où, là? Oh, merde, la torche qui est déjà faible. Oh, j'ai de moins en moins de piles, faut que je fasse gaffe. C'est une rambarde. Non, sérieux? J'ai une corde. J'ai. Oh là là, j'en ai des trucs. J'ai des munitions pour le flingue et j'ai surtout un indice. Alors là, je vois pas où c'est. Ce serait au bord du cratère. Ouais, bah mon pauvre, c'est pas tout d'avoir la Bible, mais comme résultat, malheureusement. C'est vrai que la musique, elle te donne du courage, plus de l'endurance. Alors, contrairement à l'épisode précédent qui était mollasson, celui-là, il est. Waouh! Et tout le contraire du précédent, je me rappelle. Ouais, un déroulé génial. Tu veux que je gère comment? Ah, c'est un cul-de-sac. Tu crois que je peux placer une de mes bombes et dégager le passage? On va essayer. Moi, je veux bien. Je croyais que je revenais sur mes pas, oh, le con. Oh mais quel con. Oula. Il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté là, j'ai fait un mort ou quoi? Là déjà je me sentirais mieux. Encore que. Ah. Je me trompe ou j'ai buté un ennemi en montant mieux. J'ai l'impression que j'ai fait une pierre bleue. Bon, là il y a les saloperies. Oh là là, il y a... Eh oh, il y a de triche là, vous êtes trop nombreux là. Eh oh, on se calme. On se calme peut-être. Ah non, j'ai pas de dynamite. Oh, je me l'ai fait au katana. C'est vrai qu'ils osent pas s'approcher. Quelque part, ils ont pas de tort. Je suis un homme dangereux. Alors. Ils sont nombreux là.
quelqu'un qui apparaît ou pas? C'est con, il me voit pas. Non, c'est pas ça. Ouf. J'arrive à les allumer. Là-bas, ouais, parce qu'il y a bonjour. Oh là 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 là. D'ailleurs, c'est horrible, c'est tellement long que j'ai un peu le jeu. Je suis complètement largué. Santé parce que j'ai un petit peu peur. Bah, si j'arrive à me foutre dans lui, il va me décrocher super lent. J'ai envie de dire lui. Oh bordel. Attends, c'est un objet qui est giqué ou un ennemi? Non, c'est un objet qui est giqué. Ah oui, ils ont aussi vivre dans la... Oh, la sacro-sainte tronçonneuse. Je serais pas descendu pour rien. Musique, s'il vous plaît. Oui, ils ont essayé de... Alors, où est-ce qu'ils ont trouvé le matos, le bois, dans les grottes? Ils ont dû se dire, tiens, on va essayer de se sauver en important du bois dans les grottes. Il va y avoir une équipe de spéologues. Et les malos sont morts bouffés par les indigènes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a provoqué les indigènes à sortir de leur trou et à aller en surface. C'est une supposition. C'est une réelle catastrophe. Putain, c'est déjà un endroit à fouiller à 400%. Sûrement des trucs. Et puis je m'arrête la contenance, je me suis bien battu.
souvenez, on devait un rocher de météore. La texture du rocher n'est pas la même. C'est trop bizarre. Oh, j'aimerais tant trouver une cassette audio pour une nouvelle musique. J'aurais du disco, s'il vous plaît. Du disco. Tronçonneux, c'est piolet trouvé. Putain, ça me trop. Mise à jour. Il faut que je plonge. Oh. Ah. Là, il y a la tête d'un mec qui. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'allais fusionner la lampe torche avec des médicaments. Oh le con. Et bah là c'est pour redescendre dans la fosse, c'est là genre. Oui bah je suis allé dans le mauvais sens avec le. Mais j'irai plus tard dans la flotte. Attends. Assoiffé ou potable, je vais prendre un soda. Bon bah on va faire un petit peu d'escalade. D'accord. Donc la logique où je crois que je peux dire. Et je vous fais oublier. Ah si, j'étais déjà venu ici, je crois que je m'étais arrêté en disant merde, je peux pas descendre. Je crois que je suis déjà venu ici. Les passagers là, je les ai déjà identifiés. Ouais. J'ai déjà fait le ménage ici. Merde. Ouah, c'est où
C'est par en haut peut-être. C'est où la sortie? Ah, je vois pas la sortie. Ah. Par où je sors? Par là? Vite, 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 c'est un quoi se noyer? Ah, par là. Ah, c'est pas l'étang à la con. Je vais me retrouver au milieu des canards. Le seul plat qui m'embouche un coin, coin. C'est pas l'étang. Putain, je suis sur le cul. C'est la rivière. Attends, pause, on arrête tous les amours là. J'ai découvert un truc. Attends, je vais retirer le recycleur d'air. Je vais mettre pas du chaud à la boisson. Attends. Faut absolument que je marque l'endroit. Ah oui, c'est obligé. Obligé. C'est quoi ça? Ah non, c'est une souche. Waouh! C'est pas du tout l'étang. En fait, la grotte, elle est juste sous la flotte, mais tu la soupçonnes même pas. Trop fort. Et c'est pas la petite grotte en plus. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé trouver une autre cassette. Enfin, je vais pas me plaindre, j'ai la tronçonneuse et la... le piolet. Donc, avec le piolet, je suis censé pouvoir aller partout. Ah, je serais plus tenté de refaire de la... de l'alpinisme. Il n'y avait pas de chemin qui se dégageait sur la montagne. Oh, ça a été génial comme aventure. Il y a eu les bébés monstruosités, il y a eu les indigènes, mais il n'y a pas eu de boss. Je trouve que j'ai eu du bol dans mon aventure. Ouais, je veux bien manger. Moi, de boulis, maintenant, je me demande si c'est pas une entrée de grotte. Tu vois des entrées de grotte partout, du début un peu. Regarde, là, il y a des tentes. Oui, mais là tu peux effectivement encore te taper une grotte. Celle-là non plus, je crois pas que je l'ai faite. Bon, je vais pas y retourner maintenant, je me la garde pour le prochain épisode. Attends, on est au bord du cratère là. Non? Ah non, c'est la rivière. Ah bah merde. Et je suis où? Ouais. Par rapport à mon habitat, à ma base. Ah. C'est pas la porte d'à côté. Hein. C'est pas la porte d'à côté. Ah bah tiens, il y a encore les becs dont je raffole. Irti. Ah, oh, ça me rappelle les Vosges, les bonnes tartes à la myrtille. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. D'ailleurs, j'en ai 30 ou pas? Oui, j'en ai 30. Ouais. Ouais, c'est dingue ça. Et ça vaudrait presque le coup que je sonde la rivière avec ma mon bordel de plongée. C'est trop bizarre. Elle a de nombreux secrets, cette île. C'est un truc de fou.
Puis je souris à la Doom là pour la tronçonneuse. Je vais pouvoir faire un épouvantable carnage. Ça va être horrible. Ah, et du bois, ouais, du bâton. J'ai fait un sacré voyage dans les grottes, moi. My home, it's where you are. Et, ah oui, il faut que je continue ma tour infernale. Ah bah là, prochaine journée, c'est avec joie que je continue ma tour infernale. Eh ben dis donc, quelle aventure! Vous allez voir que j'exhibe fièrement la tronçonneuse. Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh que c'est vilain! Ah oui, ça pourrait être pleine, elle est pleine. Je me demande si... Ah si, je vais sûrement me faire un boss à la tronçonneuse. Oh la vache! La taille de l'aloe vera. Oui, bah, je peux sauvegarder. Ah oui, c'était dingue! Du coup, je suis en train de me dire, j'ai sauvegardé dans une grotte. Et je pourrais même plus dire laquelle c'était. Oui, on passe à sauvegarde, ouais. Le truc de fou. Graines de myrtille et deux d'aloe vera. C'est bien. Cocktail santé. Ah oui, faut que je m'en refasse. Et cocktail santé. Toutes les journées. Merde, non. Quoique si, je peux. Ah merde, j'ai. Ah oui, quand même. Ah, je peux encore en faire un. Oui, bah, je vais bouffer l'aloe vera de. Jardinier d'intérieur. Oui, attends, je comprends pas. J'ai toutes les pièces de jouets. Mais non, il me manque une jambe. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais toutes les parties de jouets. Alors, ça, des pas, j'ai dû en faire. Attends. Oui, j'en suis à plus de 30 000. Ouais. Tu m'étonnes. Hein. J'ai marché dans les grottes, putain. Truc de fou. Ouais, faudra que je patate des ordinateurs tout proches. Alors, c'est quoi pour faire des bombes? C'est le bon, hein, ouais. Merde, je sais plus. Une bouteille d'alcool. Attends, par déduction logique. Un tissu? Non, pas un tissu. Faisons preuve de bon sens, du moins essayons. Pour faire une bombe, l'alcool, le ruban adhésif, l'élément électronique, les pièces pour les éclats. Qu'est-ce qu'ils m'ont. Alors je sèche à l'interrogation, je vais faire un point. Non, je ne sais plus. Ah, une montre! Mais oui, il faut un minuteur, quel con. Ah, c'est parce que je l'avais pas vu, j'ai pas réagi. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai très mal fouillé les grottes, hein, parce que j'ai... Je me suis laissé promener, mais bon. Bon, maintenant, je suis davantage outillé. Ah, il m'a quand même validé une grotte, que j'aurais... ouais, caverne humide, que j'aurais complètement... d'accord.
J'ai déjà exploré 2 grottes sur les 10 qui existent dans le jeu et j'en ai repéré que 6. Waouh, énorme. Ouais. Mon état de santé, il est bon, ouais. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Du coup, je suis particulièrement joyeux. Ah, c'est bien, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de l'escalade en plus, hein, c'est trop bien. La plongée, l'escalade. Plus rien ne peut m'arrêter, et puis bientôt j'aurai un planeur. J'aurai fini le grand projet de la tour. La tour de la mort. J'ai dit n'importe quoi. Oui, à Bibbers et to you. Toi aussi. Il y a des champignons à bouffer. Ah oui. J'ai encore un petit peu faim là. Les champignons, mignon. Allez, zou, on va couper les arbres. On va continuer la tour Montparnasse infernale, comme dirait Eric et Ramsey. Enfin, je suis pas spécialement réceptif à leur humour, mais quand ils sont sérieux, je les aime bien. Mais un très rare moment, quand ils sortent de leur personnage de comique, c'est des garçons très bien. Ah mais non, j'allais dire, je peux pas me faire un bol de céréales, je suis con. J'ai plus de céréales. Alors pour une fois, j'ai le lait, mais j'ai plus les céréales. Je pense déjà à mon dîner ce soir, hein. Pardon, je parle pas du jeu. Du coup, je pense que je vais me mettre sous la dent ce soir. Qu'est-ce qui peut réserver LM? Ah merde, je suis en train de faire du gâchis. Oh, je suis sûr que j'ai mal foulé les grottes et là où je me suis rendu, j'aurais dû trouver au moins une cassette. C'est pas possible, la grotte était immense. Je suis sûr qu'il y a une cassette de musique qui m'a échappé de peu. Ah merde, j'avais coupé autant d'arbres que ça? Ah ouais, quand même. Oui, bah je vais couper cela. Vive la déforestation!
Viva la déforestation! Allez, youhou! Bon, il peut arrêter avec son podomètre là. Mais non, mais vas-y, à demain quoi, shut up. Elle est où la productivité, hein? Bon. Sanglier. Ah oui. Est-ce que je peux jeter ma viande avariée? Déposer, ouais, je peux l'acheter. Là, j'ai deux sangliers pour le poudre. Ah non, ils viennent pas me charger. Oh, je suis déçu. Allez. Ah. Ah non. Tant pis. Merde, oh putain, il m'a échappé le varan. Pour les arts. Ah, c'est la viande avariée. Ah, c'est dégueulasse, ça commence à être recouvert de moisissures. J'avais jamais fait gaffe. Je charge le sanglier. Attends, je vais me faire charger pour de bon là, je crois. Non, il s'est cassé. Ah oui, merci, il me charge. Oh putain. La bonne blague. Ah, comment je... Excellente. Mon dieu. Comment empaler un sanglier avec les chariots? Ouais. Il est fou, le mec, il est fou. Bon, allez. Pas d'autre? Oh. Et déjà fini. Bon bah tant pis.
Tant pis, tant pis, tant pis. Oh, j'aime pas avoir le katana cracra. Allez, où? Ouais. Je vais... Alors attends, il faut que je retrouve la touche à chaque fois. Oh, je suis trop content. Et la tronçonneuse et surtout le piolet, c'est l'ouverture du champ de tout les possibles, là, comme ils disent. Aïe 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 aïe. Plus rien ne peut m'arrêter. Et en plus, je vais avoir en super bonus le deltaplane bientôt. Ce sera mon projet suivant après la tour. Même pas la moitié. 316 divisé par 2, ça fait 155, 158. Encore 5 bûches et je suis à la moitié du projet. Vertigineux. Je crois que oui, je suis à l'épisode 25 là actuellement. Donc ce sera fini, on sera à l'épisode... Waouh! J'aurais fini la tour à l'épisode 30 à mon avis. Hein. Et parti comme je suis, le temps d'explorer encore toutes les grottes, de retrouver tous les passagers, à mon avis ma série va durer une quarantaine d'épisodes. Hein. Je pense que je suis déjà à plus de la moitié quand même. Temps de tournage entre guillemets. Et je suis au 25e épisode, je vais quand même pas aller jusqu'à 50. À moins que. Et je vais quasiment faire un 100%. Je vais quasiment faire un 100%. Il n'y a pas de rondins qu'on est dans le. Si, il y a des rondins qu'on est. J'ai bien fait d'aller à l'intérieur de la structure. Oh, ces pigeons sont casse-couilles. Ah bah tiens, pardon, non. Ah bah oui, ah bah d'accord. Ça aurait été gâché. Oh la vache. Prochaine nuit, j'arrête l'épisode, j'enregistrerai. Mais grande satisfaction. Voilà, j'ai plus de bûches, hein, j'arrête. Ah si, j'en ai peut-être dans le... Sinon, faut que je me restaure en énergie, déjà. Si, à l'intérieur, ouais, j'en ai peut-être 3-4, ouais, tu parles. À vue, ouais. Je pourrais abattre l'arbre là aussi. Et bah dis donc. Je vais aller réactiver les pièges, moi. Oh! 1, 2, 3, soleil! Ah, il est beau lui! Waouh! On dirait une statue! 1, 2, 3, soleil!
Oh, le bug! C'est Monsieur Bug. Monsieur Bug des cavernes. Oh, il est moche. Oh. On dirait... non, je vais pas dire de nom. Et voilà. On va dire que je le fais débugger. Ah oui, j'avais ramassé des os dans la caverne. J'avais complètement oublié. C'est vrai, ça. Ah oui, il n'y a pas des médocs tout proches. Attends, j'avais ramassé combien de nanos? Ah, 7 quand même. Attends, je récupère les crânes et les... J'ai combien de cordes? J'en ai 4. J'ai pas besoin. Ah, j'ai gardé le souvenir qu'il y avait des médocs pas très loin. Alors je suis dans une confusion, je sais pas. Ouais, il y avait les mâles, mais je les ai déjà inaugurés, les mallettes là. Chardon qui m'a attiré. M'a attiré du regard. Oh. Bon, allez. Et bah, je prends les noces que je peux. Tant pis pour le reste. Ah, bah, j'ai pas remis le piège là. Bon, attends, je vais mettre les. Je vais ranger mes nonos. Voilà. S'il y a encore des nonos d'apparent, je les chip. Ça, c'est pas perdu. Et je réactive le piège là. Ah bah, il y a un cadavre. C'est une pierre. Ah non, c'est une pierre. M'énerve avec leur totem de merde. Tiens, je te bouge ton totem de merde. Ah, bah, il y a un copain. Oh, je peux te dépecer. C'est pas très mal. Oh, surtout qu'il a revêtu un visage de... d'un habitant d'avion. Est-ce que je pourrais le découper normalement, hein? Voilà. C'est horrible ce que je fais. Voilà. Comme ça, j'ai des... Attends, je vais me mettre à la douche parce que... Je devrais pouvoir le... en faire un totem, non? Comment on fait? Je fais un totem. Transporte groom. Transporte groom.
Bah, je sais pas comment je fais en fait. D'accord. Je sais pas, je serai plus. Ah mais c'était à rouler à l'autre con là. Oh merde. Et de dire, elle a perdu la tête. Oh. Hop, je verrouille. Ah, attends, je vais manger un champignon. Donc sérieux, je peux pas faire de... Je vais m'équiper. Ah, c'est horrible. Ah, c'est atroce. C'est trop bizarre. Ah bah. Coucou. Et ça se fait avec une tête. Trophée de chasse peut-être. Oui mais c'est une tête, c'est pas un membre. Non. Ah oui, ça va pas mon truc, c'est pas ça. Ah, je tiens à l'os. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible, c'est vraiment joli. Ah, je peux te dire que je veux faire cuire les... Merde, c'est pas la bouffe que je voulais mettre, tant pis. Trop tard. Ah oui, les deux pieds, les deux... Ah ouais, je peux les cramer si je veux. Ah bah attends, je vais le faire là. Merde, ça y est, je suis encore tombé. Chaque fois je tombe là-dedans, c'est chiant. Voilà, comme ça je me débarrasse du bordel. Hein. Du coup, je me trompe, mais de cramer ça, ça me fait des os ou pas? Non, je pense pas. Non, c'est juste un pur carnage. Quoi. Bon allez, je sauvegarde dans ma haute baraque. Et excellent épisode, contrairement au précédent. Je sais pas encore comment je vais le titrer, mais c'est la fierté. Ah si, piolet et tronçonneuse. Oh, oh, trop beau. Trop bien.